Oui. Ouragan Irène sur la ville de New York. Notre reportage continue avec notre perpétuel serviteur à Kakaku depuis la ville de New York. En ce moment, je vous montre des images qui vous viennent directement de Manhattan. Je vous montre en ce moment une section, la section de ces gratte-ciels que vous voyez. Ici, je suis à la 34e rue et Park Avenue. Ma Aka Morrison, Alessandra Maria Alice, doit se souvenir bien de ce lieu qu'elle a souvent traversé à pied. Parce que, pourquoi? Quand je viens la descendre ici en voiture pour qu'elle aille travailler, puisqu'elle travaillait juste à côté, sur la 34e rue entre Lexington Avenue et Park Avenue. Donc, il se trouve que des fois, je viens la descendre juste à la 34e rue et Park Avenue. Et puis, elle fait un bloc à pied, ou alors je la descends carrément juste en face de son building. Donc, pour un souvenir inoubliable, bonjour à Aka Morrison, Alessandra Marie Alice. Tu sais, nous deux, on ne peut pas s'oublier puisque nous avons cinq enfants entre nous, pourquoi pas? Donc, dans un reportage de cette envergure, je mentionne ton nom. Hein? Je mentionne ton nom pour te dire que nous deux, on ne peut pas s'oublier parce que nous avons cinq enfants qui nous lient. Donc, nous sommes ensemble. OK? Donc, bonjour à Aka Morrison, bonjour à tous mes enfants. Hello to all my children, all my five children. Ruth in Columbus, Ohio. Wilson Aka in Africa. Holyfield Aka in Africa also. Eunice Aka in Africa. Samuel Aka also in Africa. OK, I say hello to you all. Je vous donne tous un gros bisou. Right? Donc voilà, je suis sous l'ouragan Irène ici à New York. En ce moment, j'évolue vers la 39e rue Park Avenue où je suis en dessous des gratte-ciels ici de la ville de New York. En tout cas, l'ouragan a baissé un peu, mais ce n'est pas complètement écarté encore. Nous sommes sous de la pluie. Vous pouvez constater, les essuie-glaces de ma voiture fonctionnent. Hein? Les essuie-glaces sont activés pour pouvoir me permettre, me donner une bonne visibilité de pouvoir conduire la voiture dans laquelle je suis en ce moment, où je vous fais ce reportage. À Kakaku, votre perpétuel serviteur, depuis Manhattan, New York, live. Vous pouvez donc me contacter 24 heures sur 24 à partir d'un seul numéro, le 646-512-61-91. 646-546-512-6191. En espagnol, 646-512-6191. Voilà, je suis en train de prendre comment s'appelle la sortie du Grand Central, au-dessus du Grand Central, au-dessus du Grand Central, ok, en train de conduire. Pour pouvoir sortir de l'autre côté de Park Avenue, cette section me plaît beaucoup, c'est joli, ça ressemble un peu à ces immeubles qui sont qu'on appelle Nour Alayat en Côte d'Ivoire à Abidjan, si vous connaissez bien Abidjan. Voilà, donc voilà, cette section ressemble un peu à celui-là. Donc voilà, je suis actuellement, je vais procéder, je sors de ce tunnel et je suis à Park Avenue. J'évolue en ce moment vers le Waldorf Astoria Hotel où
voilà, les présidents du monde séjournent lorsqu'ils viennent aux États-Unis, précisément à New York. Merci d'avoir regardé. Je vais vous présenter encore des images. OK? Voilà, tout à l'heure. Voilà, je suis au Waldorf Astoria Hotel, où vous voyez les drapeaux. Oui. Bye bye et à tout à l'heure.